française sur Sablé Breton. Donc Isabelle me l'a réclamé. Alors Isabelle, à tes fourneaux, elle va se reconnaître. Et puis on va tous faire ça ensemble. Enfin, c'était délicieux. Allez, intro, on y va! On fera deux vidéos. Une pour la pâte sablée bretonne et une pour la crème aux pistaches. Pour ça, pour la pâte, il faudra déjà 170 g de farine, 100 g de beurre, vous voyez, en pommade, 100 g de sucre en poudre, 3 jaunes d'œufs et un sachet de levure chimique. Voilà, et on y va, on commence. Vous mettez votre saladier, mettez encore le fouet, bien sûr, hein, les jaunes d'œufs, le sucre et après, vous allez faire blanchir tout ça. Les jaunes d'œufs, le sucre. On va faire tout ça et on bat jusqu'à temps que ce soit bien blanc. Quand c'est bien blanc comme ça, vous prenez votre plat, vous mettez la farine, la levure et le beurre. Vous prenez une spatule, vous enlevez tout ça. Au départ, prenez ça et après vous allez prendre les mains. Et vous allez former une boule. Vous écrasez bien le beurre, la farine, tout ça. Vous rajoutez un petit peu de farine, voilà. Et vous formez une boule. Donc une fois que c'est fini, vous le mettez au frigo pendant une heure. La pâte est finie et on la met une heure au frigo. La pâte est finie, voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour la deuxième et troisième étape. Faites-moi un commentaire, abonnez-vous. Allez, bisous, au revoir.